Comment, c'était comment la rencontre tous les deux? Si, si, Tanit, on veut savoir. Comment t'as rigolé, on veut savoir. Tanit, si toi aussi tu sens que c'est une rencontre chelou, tape dans tes mains. Tanit, quel site, vas-y. Allez, balance le site, ça va aller plus vite. C'est un site ou pas? C'est internet ou pas? Merci, mentaliste. Vous savez pas à qui, mais vous croyez quoi? Ça, c'est mectoub.com, ça. Oh, quand même pas. Quel site? Et pourquoi t'as honte? Faut pas avoir honte, hein. Qui a parlé à qui en premier? C'est Rodolphe? Rodolphe, il a un quota de mots par jour ou pas? Genre vers 16h, il fait... Pourquoi j'ai dit bonjour ce matin? Bah, toi, t'es quoi? Je crois juste en la réincarnation. C'est déjà pas mal, hein? C'est un vrai délire. Donc tu crois qu'il y a un nombre d'âmes limitées sur Terre et qu'à chaque fois, ce sont les mêmes âmes qui reviennent? On a une musulmane qui est très vénère. Ouais, elle dit n'importe quoi. Mais laisse-la croire en ce qu'elle veut. Toi aussi, crois en ce que tu veux. C'est pas plus bête ce qu'elle dit que ce que tu dis en vrai. Hein. Je te jure. Hein? J'ai entendu. Allahu Akbar. Mais alors, j'ai une question. Vous savez qu'on est 8 milliards depuis quelques temps là. Comment on faisait pour être. Comment on peut être plus qu'avant? Est-ce qu'il y a des nouvelles âmes qui rentrent dans le délire? Il y a moins d'animaux? Tu veux dire qu'il y a des animaux qui seraient des humains? Ça, j'y crois. Bonsoir. Ça, j'y crois. Très bonne théorie. C'est sûr, c'était une guêpe. Je ne sais pas. C'est sûr. Fred, on se demande pas ce que t'étais, toi. Du plancton. Un truc vraiment... Wolfgang Amadeus Mozart. C'est quoi ton prénom? Toi, t'es chef d'orchestre, c'est sûr. Ashley. Très bien. Tu es en train de préparer une symphonie. Attendez, je suis inspiré. Mi-dièse, et même le majeur. Donnez-moi un bâton, vite. Vas-y, dis-moi, c'est quoi, j'ai pas compris? Informaticien. Dans la cybersécurité. Ça aussi, c'est un rêve de gosse. Ça aussi, c'est un rêve d'enfant. Quand t'es petit, t'étais très fort en informatique. Non? Comment ça, non? C'est venu, donc c'est pas un rêve d'enfant. Donc quand t'étais petit, t'étais fort en informatique. Petit, c'est quoi pour toi? Entre 8 et 9. Alors, dis-moi un truc que t'as fait, un truc... T'es étudiante, donc techniquement, tu n'es pas encore architecte. Dans un an. Mais entre un an et là, t'as fait un projet. C'est quoi ce projet? Le bureau de ton père. Donc le client était facile à convaincre, j'imagine. En tout cas, dans un an, tu pourras revenir et dire « Je fais le métier de mes rêves ». Je suis désolé, là, tu ne mérites pas encore. Il faut le mériter. Des métiers de rêve, vas-y, fais-moi kiffer. Costumière. Où ça? Pour mon père, à la maison. Quoi, par exemple? Marie-Antoinette. Il connaît très bien, là-bas. Il la connaît, l'original. C'est une femme délicieuse, Wolfgang, n'est-ce pas? Oh. Sur, c'est quoi, Marie-Antoinette, c'est un film? C'est la dernière série. C'est une série sur quoi, sur Marie-Antoinette. Non, mais d'accord, mais... Ah oh, ouais, c'est pas sur Ben Laden. Un truc de ouf. Le média. Sur Canal+. Et c'est toi qui as fait tous les costumes? Pour les femmes. Costume de Marie-Antoinette. Vas-y, fais-moi rêver, là-haut. T'as levé la main? Quelqu'un a levé la main? C'est un gitan, détendez-vous. Moi, je comprends ce qu'ils disent. J'espère que tu sois content, mon copain. Bienvenue, toi. Ça manquait de voyelles, on est d'accord, il n'y avait pas de voyelles. Il n'y avait aucune voyelle. Les copines turques, elles ont fait. Non, mais ça n'a pas de sens, hein, ce qu'il dit là. C'est... Même pour nous, c'est trop. Alors, redis-le. Je sais même pas qui dit quoi. Dans une ONG. C'est-à-dire, développe bien, raconte bien. D'accord. Bienvenue les enfants. Et je suis aussi clown d'hôpital. Qu'est-ce que tu fais au quotidien? Dis-moi. J'accompagne des citoyens qui veulent accueillir chez eux des personnes. Tu accompagnes des familles. Alors si on a une famille qui veut héberger chez soi des réfugiés, toi tu les aides pour tout le processus. Exactement. Ça c'est un rêve d'enfant ça? Bravo, stylé. Franchement, elle est trois là.
Et toi, on a mieux ou pas? On a fait... Oh, il a attendu. Il a attendu. Chef de cuisine, rêve d'enfant? Attends, quelle cuisine? Parce qu'il y a cuisine grand restaurant et la cantine de Maurice Thorez. C'est un chef? Oh, il a fait sur un chef 2 étoiles. Redis le nom. Olivier Belin. Apparemment, la police le recherche. Qui, Olivier Belin? Mais t'es tout petit, toi. Il y en a un deuxième. C'est quoi vos prénoms? Et l'autre? Dans chaque enfant, il y a toujours un petit golemon un peu plus que... Sacha. À toi, Corky. Vas-y, amuse-les. Joachim. D'accord. T'as quel âge, Joachim, toi? 8 ans. Tu me connaissais ce soir, avant de venir? Oui, bah oui. C'est ton papa ou pas, le monsieur à côté, là? Bah, pourquoi tu fais des grands gestes à droite à gauche, Joachim? C'est lui qui voulait venir ce soir? C'est qui, alors? Vous imaginez les dîners à la maison? Alors, j'ai fait des pommes de terre purée carottes, vous allez en manger? Le daron. Putain, j'en ai marre. À côté, je m'appelle Sacha. C'est quoi cette famille de barjots? Comment tu me connaissais, la maman? Quoi? Oh, t'es trop mignonne. Tu t'es trop bien rattrapée, ça m'énerve. Vas-y, en noir. Joachim, tu lèves la main? Oui. Vas-y. Moi, je l'avais très chez moi. Mais... Attends, est-ce que c'est ton premier spectacle, Joachim? Attends, la daronne, tais-toi 2 secondes. Oh là là. Joachim, est-ce que c'est ton premier spectacle de toute ta vie? Non. T'as vu qui? T'as vu qui, déjà? Joachim, comment je m'appelle? Merci, Joachim. Derrière? C'est-à-dire? Oui, mais t'es pas neurochirurgien. Désolé. Toi, t'es l'assistante de celui qui va. C'est vrai ou pas? Mais c'est vrai, je suis désolé. Mais je le fais. Quoi? Non, c'est l'assistante de... T'as vu comment ça lui tient à cœur? Même elle est morte de rire. Bah, on s'en fout. Et la maman, t'es folle. Joachim, tu... Bonne chance. Wolfgang, qu'est-ce que tu... Je crée une symphonie. Note. Mi bémol, mi bémol, mi bémol. Fa dièse, do, croche. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, d'ailleurs, Wolfgang? Vous voyez, mentaliste. C'est quoi votre travail, les filles, toutes les deux? Wedding planner, vous organisez les mariages des gens? Trop bien. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent se marier ce soir? Vous êtes vomi dans la bouche, il s'est passé quoi? Qui veut se marier? Tu veux te marier avec la demoiselle à côté? Non, mais vous pourriez, on aime... Avec qui tu veux te marier? Ah, t'as personne, t'aimerais avoir quelqu'un, c'est ça? Tu t'appelles... T'es célibataire, c'est ça? C'est quoi ton prénom? La costumière, je la connais, je l'aime beaucoup. Zara, tu veux qu'on te trouve quelqu'un? Est-ce que t'es hétéro, bi, lesbienne ou autre chose? T'as quel âge? Inch'Allah. C'est ennemi bientôt 18, Inch'Allah. Mais on va pas te trouver un mari maintenant. On n'est pas en Afghanistan, Zara. T'as le temps. Pardon? T'en as besoin... C'est pour des papiers? Pourquoi t'en as besoin? Non mais moi, c'est important, mais ça va pas ou quoi? Mais... Je peux pas être... Elle dit, bah elle a raison. Je peux pas être complice de ça, je peux pas trouver un gars dans la salle comme ça. Oui? On juge pas, les amis, on juge pas. On essaie de comprendre le commencement de tout ça. Tu veux faire des études longues et tu veux te marier avant de faire des études longues parce que sinon, t'auras pas le temps de te marier. Donc là, t'as un petit créneau. T'as quoi? T'as 2-3 mois? Eh ben écoute, on va y aller en express, hein. On a pas le temps et c'est pour elle. Alors, tu m'as dit t'avais quel âge? Putain, 17 et demi, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Ça marche pas, t'es trop jeune, ça marche pas ce truc. Ceux qui ont entre 16 et 20, on va dire ça? 16 et 21, restez debout. T'imagines, tu repars avec elle, le cadeau de fou?
Il en revient pas. Et ouais, Marquinhos, soirée de fou, hein. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Zara? Mais que... rasseyez-vous, c'est de la merde. Je suis en train de perdre mon temps, là. Vas-y. Oui, bah fais tes études et après, tu trouveras un mari, là, n'importe quoi.